Bonsoir, nous sommes le mercredi 10 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal, votre journal d'actualité. Chaque jour, entouré de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. La gare de Versailles chantier fait peau neuve, débutée en avril 2014. Ces travaux devraient améliorer le quotidien des voyageurs. Une deuxième passerelle est déjà sortie de terre. Retour sur ce chantier de grande ampleur. Et comment gérer les risques quotidiens, les accidents domestiques, mais aussi les risques professionnels, ces accidents de la vie courante qui entraînent près de 20 000 décès par an en France? Les réponses de notre invité Benoît Noble, manager en prévention des risques. Et enfin, à Rambouillet, des élèves du collège s'intéressent, c'est au doublage de films ou de dessins animés, un atelier unique sur le territoire que nous vous ferons découvrir. Et à 50 ans en Yvelines, une cinquantaine de médecins généralistes appliquent désormais des dépassements pour exigences particulières du patient en dehors des plages horaires de 9h à 17h. Un mouvement qui s'apparente aux 35 heures en réponse au projet de loi santé que les médecins condamnent. On écoute tout de suite le docteur Ecker, médecin généraliste à Elancourt. Ils nous disent souvent que on est des salariés de la sécurité sociale. On a dit, si on est des salariés de la sécurité sociale, à ce moment-là, on travaille 35 heures. C'est pour ça qu'on va prendre, par exemple, un dépassement pour exigence particulière, mais qu'on ne prend pas aux patients qui ont la CMU ou l'aide médicale d'État ou l'assurance complémentaire santé ou qui sont en accident de travail. Si le patient a une mutuelle, on prendra 2 euros, on peut prendre 10 euros si c'est des gens qu'on sait qu'ils ont une très bonne mutuelle. Voilà, par exemple. Bon. Et les gens qui n'ont pas de mutuelle, c'est plus rare, mais c'est vrai que des chômeurs peuvent très bien ne pas avoir de mutuelle, on ne leur prendra rien, évidemment. Et santé, toujours le conseil départemental et la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines ont participé hier à une journée de rencontres et d'échanges sur les thèmes de l'élève à l'enfant, prévenir, éduquer, protéger ensemble au lycée hôtelier de Guyoncourt. Les deux parties travaillent conjointement depuis décembre 2014 sur l'accompagnement des familles et des enfants du département les plus fragiles, ainsi qu'au développement de la politique de prévention et de protection de l'enfance dans le cadre de leurs missions respectives. Un moyen de favoriser la connaissance mutuelle entre professionnels, de dynamiser ce partenariat et aussi de mettre en place une convention cadre. Plus d'explications au micro de Fanny Bourdillon. On voudrait vraiment que notre politique de prévention et de protection de l'enfance soit moins stigmatisante à l'égard des familles et que les familles puissent comprendre qu'on est là pour les aider et non pas pour les juger par rapport aux difficultés d'un enfant. Donc c'était vraiment important pour nous de faire ce travail-là ensemble avec nos partenaires de l'éducation nationale aujourd'hui. Savoir comment on fait pour mieux se connaître entre les différents professionnels de l'éducation nationale, qu'ils soient infirmiers, médecins, psychologues ou ce genre de personnel, et puis nos personnels à nous, que ce soit aussi les puéricultrices, les médecins, la PMI, donc faire en sorte que chacun prenne conscience de l'existence de l'autre, ce qui n'était pas forcément facile, et puisse se dire comment on fait pour travailler. Et on a mis en œuvre une procédure, qui est une procédure originale, sur laquelle on a travaillé sur des exemples, en fait, un petit peu d'école, et qui permettait justement d'échanger sur ces situations d'enfants. Vous l'avez sûrement remarqué, si vous empruntez pour vos déplacements quotidiens la gare de Versailles-Chantier, elle est en travaux. Débutée en avril 2014, l'objectif du chantier est d'augmenter le confort et la fluidité des voyageurs, notamment en multipliant par deux les escaliers et les ascenseurs. Deuxième gare de l'Ouest parisien en termes de trafic, la gare de Versailles-Chantier devrait être rénovée et agrandie. Les précisions avec Fanny Bourdillon. Versailles-Chantier, la gare n'a jamais aussi bien porté son nom. Si elle a été fondée en 1932, elle n'avait pas reçu de modifications significatives depuis. Avec actuellement 68 000 usagers par jour et quasi 1 000 trains qui passent par ce nœud ferroviaire, des travaux étaient indispensables. Le trafic transilien croît régulièrement d'année en année. On a de plus en plus de clients et on avait de moins en moins de possibilités pour, en termes de confort, d'information aux voyageurs et surtout d'évacuation de nos clients dans de bonnes conditions. Donc on a créé cette passerelle qui vient augmenter le nombre de sorties, augmenter le nombre de services. La passerelle, c'est le gros du chantier. D'une longueur d'une centaine de mètres, elle est disposée au-dessus des voies et permettra de diviser le flux actuel des voyageurs par deux. Avec un budget de 80 millions d'euros, il est aussi prévu de rénover le bâtiment historique et de construire un bâtiment de liaison qui comportera une quinzaine de commerces.
Versailles doit être une gare significative en Ile-de-France. Le projet pèse 80 millions d'euros. Et donc, c'est une gare avec des commerces, avec un haut niveau de confort. Il y a une quinzaine de commerces, restauration, coiffeur, petits commerces de proximité, tout un tas de petits commerces qui vont répondre aux attentes de nos clients en gare. Les travaux débutés en avril 2014 doivent s'étaler jusqu'en 2018. Mais la passerelle 2 sera mise en service dès le 5 avril prochain. Et chaque année, les accidents de la vie courante entraînent près de 20 000 décès par an en France. Je vous le disais en titre, la gestion du risque est donc une nécessité. Pour nous en parler ce soir, Benoît Noble, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes élu à la sécurité civile à Élancourt et manager en prévention des risques. Vous animez vendredi 12 février, donc à la mairie d'Élancourt à 19h, une conférence intitulée « Pour un quotidien sans risque ». Alors tout d'abord, de quels risques allons-nous parler dans cette conférence ? Alors, de très peu de risques, des risques au quotidien. Vous parliez des risques en général. Quand on parle de risque, c'est souvent anxiogène et nos concitoyens s'imaginent la tornade, l'inondation. Ça nous arrive, bien évidemment. Il faut savoir gérer ces événements. Mais entre ces événements dits majeurs et les événements du quotidien, vous avez un ensemble de risques auxquels vous pouvez faire face. Alors, que va-t-on ? Allez-y, je vous en prie. J'y viens. Donc, cette conférence, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas de vocation anxiogène. Au contraire, de prévenir et informer et sensibiliser nos concitoyens et nos administrés sur la façon d'appréhender tous ces petits risques que vous pouvez avoir pour ces fameux risques au quotidien dans la rue, en pratiquant une activité sportive, mais également les risques domestiques, dont on parle très peu, qui se dérouleront par leur nature à votre domicile et qui malheureusement feront énormément de victimes en France. Et quand je parle de victimes, je parle de morts malheureusement aussi et beaucoup de blessés. On parle de 4 500 000 blessés par an, ce qui est une charge importante tant pour la collectivité mais également pour les victimes, il faut le savoir. Alors durant cette conférence, on va apprendre comment éviter justement ces risques, comment être plus vigilant. Tout à fait. Nous allons aborder plusieurs thèmes. D'abord, comprendre la notion de différence entre le danger et le risque. Alors, justement, quelle est cette différence ? Alors, sans aborder la façon scientifique et plus ludique, le danger, c'est un espace dans lequel on va évoluer et vers lequel on va tendre sur un risque. Le risque étant une atteinte à votre intégrité physique ou à vos valeurs financières ou constructives. Donc, l'objectif étant de les éviter. Et effectivement, à la fin de cette conférence, après avoir pris plusieurs exemples, je viendrai sur des fondamentaux de base. Comme chacun le sait, le risque zéro n'existe pas. Mais notre objectif à nous, en tant qu'élus, c'est d'aider la population à en prendre conscience et à tendre vers le risque zéro. Alors, on pense souvent aux accidents domestiques, parce qu'ils font beaucoup de blessés. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les risques professionnels et les risques en collectivité. Oui, alors la galaxie des risques, si je puis m'exprimer ainsi, comporte effectivement de nombreux risques. Vous avez les risques domestiques, on vient d'en parler, les risques quotidiens qui englobent les activités extra-professionnelles et en dehors du domicile. Mais oui, les risques professionnels, les accidents du travail, les risques sociaux, les risques financiers. Je pourrais vous parler des risques pendant des heures, même des jours. Donc tous ces risques sont à appréhender et savoir qu'une situation donnée, si on y répond favorablement en ayant pris conscience des éléments qu'on peut tendre vers le haut, on va avoir une influence sur l'aspect psychologique et sur l'aspect financier qui de toute façon ne seront jamais pris en charge, ni par les assurances, ni par la collectivité. Donc c'est à chacun de se prendre en charge et à ne pas compter sur ce maillage exceptionnel qu'on a en France. Il faut savoir que la France est l'un des pays les mieux dotés en matière de sécurité civile, avec un maillage de sapeurs-pompiers, de SMUR, ou SAMU pour le commun des mortels, sans jeu de mots, les associations agréées de secours, les élus, les communes. Et on part vers un assistanat qui parfois nous fait tendre à oublier le risque au quotidien, tous ces petits risques qui peuvent nous polluer la vie, entre guillemets, et auxquels on doit pouvoir faire face avec un tout petit peu de bon sens. Alors j'aimerais qu'on revienne aux risques professionnels. On s'imagine que ça concerne peut-être des personnes qui font des métiers physiques ou endurants. Ça peut aussi toucher peut-être des métiers de bureau. Et est-ce que vous avez une situation concrète peut-être à expliquer ? Alors, le risque professionnel est très vague. Il concerne vous, comme je le disais, votre intégrité physique, mais également l'intégrité de votre entreprise. Un geste anodin, alors on ne parle plus de cigarettes puisque maintenant il est interdit de fumer dans les bureaux depuis de nombreuses années, mais des prises électriques surchargées, ça peut être le cas chez vous aussi,
peuvent déclencher un incendie dans votre entreprise. Vous revenez le lendemain dans votre entreprise et malheureusement, vous retrouvez des cendres et vous serez ce qu'on appelle vulgairement au chômage technique. Et tant pour l'entreprise que pour vous-même, ça aura un impact conséquent. Donc c'est un des risques, mais les risques professionnels, ce sont les postures sur le bureau, donc ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est la fatigue, c'est on en parle énormément en ce moment, le burn-out ou le bore-out, puisque ce sont deux phénomènes un peu différents. Ça peut être les intoxications alimentaires, puisque vous bénéficiez d'une cantine. Ça peut être plein de choses. Ça peut être les transmissions de maladies. Là, nous sommes en période de grippe et de gastro-entérite. Chacun sait qu'il vaut mieux éviter les bisous du matin, les poignées de main. Et tant qu'à faire, autant se laver les mains et ne pas simplement se satisfaire de mélanges. Vous savez, ces mélanges qu'on vous vend en pharmacie qui vont vous désinfecter les mains. Il faut d'abord se laver les mains et ensuite se les désinfecter. Donc vous voyez, je pourrais encore continuer et dérouler. Et ce type de risque, pour l'entreprise, il est valable dans tous les domaines d'activité. Est-ce qu'il y a des publics un petit peu visés, ciblés dans cette conférence, peut-être les jeunes parents ou les personnes âgées qui sont aussi souvent victimes de ces accidents au quotidien ? Alors tout le monde est concerné, bien évidemment plutôt les parents, donc les personnes on va dire entre 7 ans et peut-être 107 ans, l'espérance de vie grandissant en France. Maintenant, tout le monde aura une action, c'est ce qu'on appelle l'effet domino, aura une action sur l'autre. Et les parents sont forcément sensibles pour leurs enfants, mais les enfants doivent peut-être l'être aussi pour leurs grands-parents, puisqu'ils vont pouvoir avoir des petites attentions de tous les jours qui vont leur permettre d'éviter la chute fortuite parce que un tapis mal placé ou parce qu'une rallonge traversant le couloir. Donc tout le public est concerné. En France, nous sommes la lanterne rouge en matière de sensibilisation et de formation. On parle énormément des accidents de la route, donc des risques routiers, un peu moins des risques technologiques et naturels. Bon, les risques naturels, on les voit régulièrement aux journaux télévisés, donc quid des tempêtes, les avalanches, etc. Malheureusement, les risques du quotidien, très peu. Donc il faudrait, et c'est ma mission, de développer cette sensibilisation pour que tout le monde prenne conscience de la nécessité de la chose. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, avec 4,5 millions de recours aux urgences, 500 000 hospitalisations et environ 20 000 décès par an, les 10 et 12 millions d'accidents de la vie courante se produisent chaque année en France. Pourquoi on en parle si peu ? Pourquoi il y a peu de prévention finalement autour de ce problème de société ? Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, les chiffres, on ne les connaît pas exactement. On sait que donc, ça relève des établissements publics qui font les comptes. Mais donc, on parle de 20 000 morts à peu près par an en France et de 4,5 millions d'hospitalisations. Alors, l'hospitalisation, j'entends l'hospitalisation d'une demi-heure. Parce qu'un fil pour recoudre une plaie, suturer une plaie, ou parce qu'une hospitalisation plus lourde, hospitalisation qui peut coûter de 500 euros ou de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros si on passe en réanimation ou en traitement très lourd. Pourquoi n'agissons-nous pas sur cet axe ? Je ne sais pas. Et c'est justement la nature de ma mission, sensibiliser le public, que le public aille vers la connaissance du risque, même les petits risques. Je ne parle pas du pot de yaourt qui peut tomber par terre, quoique par l'effet domino, on peut aller vers une chute et vers une hospitalisation. Mais que les gens prennent conscience et prennent conscience surtout que le système de secours en France et le système hospitalier ne pourra pas ad vitam aeternam satisfaire la bobologie de chacun, et chacun doit pouvoir au minimum se prendre en charge et faire attention à soi et aux autres. Alors après votre conférence, vous nous le garantissez, on va quand même limiter les risques, peut-être approcher du risque zéro au quotidien ? C'est l'objectif, en tout cas sensibiliser les gens, nos concitoyens, arrêter de se dire « ce n'est pas grave, je ferai appel au 18, au 17, au 15 ». Alors j'espère que nos auditeurs, nos téléspectateurs connaissent ces numéros, en tout cas c'est le minimum. Ne pas systématiquement appeler les secours, mais commencer à prendre des dispositions pour éviter ce dont je vous ai parlé, le feu de cheminée, les aliments qui restent sur le feu, l'enfant qui va rester tout seul dans la maison. On voit des drames tous les jours et on en entend parler tous les jours. Les meubles près d'une fenêtre ouverte qui vont permettre à l'enfant de monter sur le meuble et malheureusement faire une chute de grande hauteur. Des exemples, j'en ai moult à vous proposer. L'idée, c'est justement que tout le monde se responsabilise un petit peu,
arrêtent de se reposer systématiquement sur la qualité de nos secours et se prennent un petit peu en charge. Merci beaucoup Benoît Noble. Alors je le rappelle, votre conférence donc pour un quotidien sans risque a lieu le vendredi 12 février à 19h à la mairie d'Élancourt. C'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Merci à vous. Sans transition, coup de projecteur à présent sur Kaplan. Cette marque française a été créée en 2014 par le francilien Henrik Boisdur. Elle équipe depuis cette saison l'équipe de football américain des Templiers d'Élancourt et compte un distributeur dans les Yvelines, justement, à plaisir. Regardez ce reportage signé Michael Elmidoro. Les Templiers d'Élancourt ont un nouvel équipementier pour cette saison 2016. Les Élancourtois qui évoluent en première division ont signé un partenariat de 3 ans avec Kaplan. L'entreprise créée en 2014 veut s'imposer comme le fournisseur officiel du sport américain dans l'Hexagone. On a adressé l'ensemble des sports majeurs US, à savoir le football américain, en premier lieu, qui est notre raison d'être en fait, au départ, le baseball, le hockey sur glace, et j'espère à la fin du semestre 2016, donc second semestre 2016, le basketball français. En parallèle des tenues sportives, la firme vend également des casquettes avec les logos des équipes françaises. Porter la casquette de sa ville, si elle est aussi belle qu'une casquette New Era, ou une casquette où il écrit New York dessus, je suis prêt à faire le pari que porter une casquette de sa ville, si elle est très très belle, c'est pas plus laid ou c'est bien meilleur que de porter une casquette d'une ville étrangère. Je crois que les gens sont prêts. Sur le terrain, les footballeurs d'Élancourt ont pu tester leur nouveau maillot à l'occasion de la réception des gladiateurs de la Queue-en-Brie lors de la première journée du championnat. La marque compte 11 réseaux de distribution. Dans les Yvelines, la société 417 Fit, située dans la zone d'activité La Chaîne à Plaisir, vend des casquettes Kaplan. Dans le secteur, c'est la casquette des Templiers qui se vend le plus. On a beaucoup de joueurs des Templiers qui passent acheter leurs casquettes. Je dirais que pour l'instant, on a vendu une trentaine de casquettes, mais approximativement. Après les Templiers, l'entreprise Kaplan devrait également signer un partenariat avec l'équipe de baseball des Cougars de Montigny-Bretonneux. Et comme chaque mercredi, nous allons maintenant parler d'environnement et de développement durable avec la chronique de Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Floral. Alors cette semaine, nous allons voir les liens entre les gaz à effet de serre et nos habitudes alimentaires. Alors l'effet de serre, c'est un processus naturel important pour la survie de la planète. Il permet d'avoir une température moyenne sur Terre. Les gaz à effet de serre participent à ce processus, mais si leur concentration augmente dans l'atmosphère, ça impacte forcément le réchauffement climatique et nos comportements alimentaires y contribuent. Tout à fait Floral, c'est ça. Ça peut paraître curieux, mais nos habitudes alimentaires ont bien un impact sur l'environnement. Il faut savoir, un repas équivaut à environ 3 kg de CO2. Pour se rendre compte de ce qui crée cette importance, je me suis rendue dans les locaux d'Igraine. L'association a une animation ludique autour d'un simple produit que l'on mange tous, le steak haché. Alors actuellement, l'itinéraire d'un steak haché, ça peut avoir jusqu'à 9 étapes. La première, c'est celle des engrais, produits parfois en Russie, qui créent du CO2 ou du protoxyde d'azote. La deuxième étape, ce sont les champs de culture, et c'est Maureen Nott qui est chargée de mission à l'association qui nous précise l'étape. Les champs de culture qui sont encore dans un autre pays, en l'occurrence le Brésil, où là, pour avoir de l'espace, il va falloir couper une partie de la forêt pour pouvoir cultiver. Généralement, ce qu'on cultive, c'est du soja qui est OGM, donc un organisme génétiquement modifié. Ces cultures sont ensuite amenées au bétail qui s'en nourrit. Le bétail, lui, est alors abattu, transformé, emballé, stocké. Ça se passe souvent en France. Pour finir, il sera mis en rayon dans les grandes surfaces et finira dans nos assiettes. Alors pour le steak haché de la démonstration, on a parlé de la Russie, du Brésil, de la France. Ça explique à chaque fois du transport, que ce soit par avion, mais aussi par bateau. Et là, en fonction du mode de transport, l'impact diffère. Celui par avion, c'est environ 70 fois plus émetteur que par bateau. Le transit routier, lui, c'est 9 fois plus émetteur que le ferroviaire et 3 fois plus que le fluvial. Dans ces cas-là, on parle de gaz fluorés. Ce sont des gaz à effet de serre très puissants que l'on retrouve aussi dans les aérosols ou les solvants. Alors, quelles sont un peu les solutions que l'on peut mettre en place ou qu'est-ce qui nous est conseillé justement pour remédier à cela? Il y en a plusieurs. Les plus simples ou les plus rapides, ce sont il faut consommer des aliments de saison qui sont aussi produits localement. On évite donc les tomates en hiver ou même le kiwi en été. Un produit hors saison transporté par voie aérienne, ça consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit ou légume produit localement en saison. On peut aussi privilégier les circuits courts, comme les AMAP, qu'on voit à l'image. Ce sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Et là aussi, c'est Maureen Lotte qui va nous donner quelques autres solutions. Il y a d'autres moyens d'agir par un commerce de proximité. Rien que de relocaliser, ça permet de réduire ces impacts négatifs. Pas consommer plus que ce dont on a besoin. Parce que là, on a vu avec l'emballage, on jette un emballage, ok, mais des fois, c'est le steak haché carrément qu'on jette. On peut aussi adapter notre régime alimentaire, manger moins de viande par exemple, parce qu'il faut savoir qu'on consomme environ 240 kg de viande par an. Si vous souhaitez en découvrir plus, l'association Ygraine propose des animations autour de ce sujet, notamment l'itinéraire d'un steak haché qu'on a découvert tout à l'heure. Alors on l'aura bien compris, il faut faire attention à ce que l'on met dans notre assiette. On peut se faire plaisir en mangeant, mais tout en faisant un petit geste justement pour la planète. Avant de nous quitter, vous avez un rendez-vous à annoncer, Mélanie. Oui, un rendez-vous, mais cette fois on parle de l'énergie et des bâtiments, puisque l'ALEC Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agence locale de l'énergie et du climat, organise un forum élu citoyen le jeudi 11 février de 19h à 21h à la maison de quartier d'Orly Park de la Verrière. La discussion portera donc sur la thématique du bâtiment et notamment comment améliorer la performance des bâtiments du sud des Yvelines pour atteindre les objectifs de réduction de consommation décidés à l'horizon 2050. L'inscription est recommandée. Peut-être l'objet d'une future chronique. Merci beaucoup Mélanie. Et de l'environnement, nous passons maintenant au cinéma. Depuis la rentrée 2015, les élèves du collège Sainte-Thérèse à Rambouillet se sont mis au doublage de bandes-annonces de films encadrés par un animateur de l'atelier cinéma. Ils sont une trentaine d'élèves à transformer leur voix chaque semaine. Mathilde Lambert est allée suivre un de leurs enregistrements. Regardez. Head rush, it's so cute. It's like being a baby unicorn. Les fans de Disney ont peut-être reconnu cette réplique, c'est celle d'Olaf, le célèbre bonhomme de neige dans le dessin animé non moins célèbre de la Reine des Neiges. Aujourd'hui, il est joué en version originale par Baptiste. Je trouve que c'est le plus marrant parce que qu'il n'est pas humain, du coup on s'amuse, il faut lui faire une voix aiguë. Et en plus, il fait un peu n'importe quoi, donc c'est plus marrant. Comme lui, ils sont une trentaine d'élèves de l'établissement Sainte-Thérèse de Rambouillet à s'entraîner pour arriver à ce résultat. Un atelier doublage proposé d'abord en français depuis la rentrée par un animateur. Face au succès de cette initiative, Anouk Favard s'est joint à l'aventure en janvier dans la langue de Shakespeare. Je trouvais un intérêt ludique et aussi pédagogique. Ça me permet de travailler avec les élèves sur tout ce qui est prononciation, intonation, le jeu aussi. Et donc ça leur permet de travailler leur anglais également, mais d'une autre manière. Jusqu'à maintenant, les élèves adorent. C'est vrai que ce n'est pas un atelier courant, puisqu'on a l'habitude de voir dans les collèges des ateliers théâtre ou des ateliers vidéo, mais des ateliers doublage, c'est très très rare. Et du coup, les élèves adorent. Se mettre dans la peau de ces héros, un moyen de travailler tout en s'amusant. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour tout le monde. L'établissement de Rambouillet est l'un des seuls du territoire à proposer ce type d'atelier. Et avant de refermer ce journal, un mot de culture. La galerie d'Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux accueille jusqu'au 19 février l'exposition « Douceurs obscures et brumeuses », un travail d'auteur en noir et blanc qui réunit trois photographes, Claude Chose, Denis Diclos et Stéphane Breteau. Regardez ce reportage de Sephora Namani, Mélanie Poquet pour les images. Apparue à la fin des années 1860, la photo couleur est aujourd'hui la plus répandue dans le 8e art. Le monochrome continue néanmoins de séduire les photographes qui trouvent dans ce style une manière d'aller à l'essentiel de l'expression de leur art, à l'image de Stéphane Breteau, qui par le noir et blanc illustre le ressenti d'un renoncement au travers de son exposition « The End ». Le noir et blanc apporte une neutralité que je trouvais intéressante et également une sorte d'intemporalité. Le noir et blanc fait partie de l'histoire de la photographie. Et on est même une singularité par rapport au cinéma, par exemple. Ça porte un trait d'union entre, je crois, le ressenti que peut partager tous les hommes sur Terre, à la fois dans l'universalité, mais également dans l'intemporalité. Le noir et blanc permet de mettre en valeur les formes et l'éclairage du sujet d'un cliché. Cet effet de contraste est souvent associé au jeu de brouillard, à la manière de Brassailles ou encore comme le propose Claude Chose, qui nous fait visiter les jardins du château de Versailles avec sa série « Manière de montrer les jardins de Versailles ». La couleur n'aurait pas apporté grand-chose et je voulais que les gens se concentrent sur le sujet plus que sur la couleur. La couleur souvent fait perdre l'intérêt du sujet, donc parce qu'il y a de belles couleurs, etc., etc. J'ai souhaité que le brouillard m'apporte ce côté cotonneux qui amène aussi les regardants, je dirais, à un peu à imaginer ce qu'il en est.
La galerie d'Alfred de Vigny réunit jusqu'au 19 février le travail d'auteur en noir et blanc de Stéphane Breteau, Claude Chose et Denis Duclos avec sa série graphique In Memoriam, représentant un système supposé ordonné qui a perdu le contact avec la raison humaine, témoignage du mémorial de l'Holocauste à Berlin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour le magazine culturel Kiosque. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée.